Salut, moi c'est Nico et bienvenue sur la chaîne d'Objectif Aventure. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Alpe Aventure Moto Festival. Pour sa 6e édition, il a eu lieu du 9 au 11 septembre 2022 dans la vallée de l'Ubaye à Barcelonnette, en plein cœur des Alpes d'Haute-Provence. Il a pour vocation de réunir tous les professionnels en lien avec le voyage à moto. Durant ces 3 jours, vous avez accès au salon qui se trouve au parc de la Sapinière, en plein cœur de la ville. C'est ici que vous retrouverez tous les métiers du voyage à moto, aussi bien des constructeurs, des équipementiers et accessoiristes pour le pilote et pour la moto, des agences de voyage et autres comme des centres de formation et associations. Ce ne sont pas moins de 94 marques qui sont présentes pour vous faire découvrir leurs dernières nouveautés, vous conseiller et même vous proposer des essais à moto. Comme tu peux le voir, c'est un événement qui rassemble des milliers de personnes autour d'une passion commune, la moto et en particulier l'envie d'évasion, de voyage à son guidon. Je te propose de déambuler dans les allées du salon afin de t'imprégner de l'ambiance, donc installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne balade. Comme tu as pu le voir, il y en avait pour tous les goûts. De quoi équiper ta moto et toi de la tête aux pieds tout en signant ton prochain voyage avec une agence. Il y avait tellement de stands que je n'ai pas pu tout te montrer. Par conséquent, je te conseille vivement de venir à la 7e édition l'année prochaine. Après avoir bien baladé dans les allées du salon, je t'embarque en périphérie de Barcelonnette pour aller voir les ateliers organisés par Ducati et BMW. Ils ont pour but de t'initier au off-road et améliorer ton équilibre sur la moto. Pour y participer, il suffit simplement de s'inscrire à l'avance en passant par le site internet de l'Alpe Aventure Moto Festival. Et un conseil, prends-toi-y vraiment à l'avance, car les places partent très vite. Comme tu peux le voir, ce sont des parcours d'agilité où tu es encadré par des instructeurs qui sont là pour te donner des conseils, te guider afin d'évoluer dans ta pratique de la moto en tout chemin. Il y avait plusieurs parcours avec des niveaux de difficulté qui montent crescendo. Donc, si tu n'as jamais posé tes roues sur des pistes, je te conseille d'y participer. C'est un bon moyen pour prendre confiance en toi et en même temps de réaliser que nos trails peuvent être très agiles et confortables en off-road. C'est une belle initiative qui, je l'espère, va perdurer et se développer. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à te montrer le magnifique panorama que nous a offert Ashuri Trail le vendredi soir en se rendant par les pistes au lac des Sagnes. Il faut reconnaître que le cadre est top pour passer un bon moment entre copains. Donc, merci à la team Ashuri Trail pour cette balade au coucher de soleil. Ce fut une belle découverte sur les contreforts de Barcelonnette.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu auras apprécié ce moment et que ça t'a donné envie de venir l'année prochaine. En attendant, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !